yon apôtre pas besoin pour tes noms pour tes noms pasteur, yon apôtre doré pour tes noms apôtre. Tenez bien, le docteur qui c'est cinquième don ministériel que Jésus te bail l'église. Le ministère de docteur, c'est-à-dire d'enseignement. Lorsque on dit docteur, on parle d'enseignement. Est sans doute la capacité donnée par le Seigneur à ceux qui devront expliquer. Le ministère docteur, c'est sans doute, pas de mentir dans ça, c'est capacité que bon Dieu, que Jésus lui-même baille au monde pour expliquer et pour faire comprendre les Écritures. Yon moun ki gen capacité pour faire comprendre, pour expliquer les Écritures et surtout amener ceux qui ont cru à observer l'enseignement et surtout moun ki ka mené, moun ki ka fait moun tande, moun ka parlé, lè la parlé, ouais, moun ap tande, moun envie tande parce que yon comprenne, yon senti gen yon bagay ki te caché ap découvrir. La Bible dit que moun sa, c'est yon docteur li. Moun ki gen capacité pour faire mon temps, pour expliquer d'abord, mon qui a expliqué la parole, mon qui a fait mon comprendre les Écritures, mon ça, il y aurait le docteur, il recevoit une onction dans mes Jésus pour le remplir ministère docteur. Pas oublier que nous dit docteur, c'est l'appel et le ministère, c'est le service. Ministère, gain par définition selon la Bible. Service, c'est servir. Ça veut dire relé pour servir. Jésus relé nous pour nous servir monde. Il y a un monde qui docteur son monde que Jésus relé pour expliquer monde, pour enseigner monde, pour faire monde comprendre les choses, les Écritures. Nous avons lecture parce que depuis ce maintenant on a fait lecture, nous pas pressé. Dans mon même captain d'aime prend Bible. Matthieu chapitre 28 verset 20. Matthieu chapitre 28 verset 20, on lit ensemble. Ma bon temps pour chercher. Matthieu chapitre 28 verset 20. Ma bon temps pour chercher. Oui. Ouais, Matthieu, nous connaît Matthieu c'est premier livre dans le Nouveau Testament 28 qui c'est le dernier chapitre là et puis verset 20. Matthieu chapitre 28 verset 20, il dit ça et les enseignants en prend verset 19 là, allez donc et enseignez toutes les nations les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé et voici je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans verset 20, il dit, et les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé. Il dit, pour enseigner, pour garder tout ça, moi-même, Seigneur Jésus, tout ça, moi commandé, nous pour faire. Ça veut dire, il y a des gens qui ont un don ministériel, ou bien un ministère don, ou à d'autres termes, bon, je dis pour qu'on comprenne, il y a un évangéliste. Pardon, yon apôtre, yon prophète, yon évangéliste, yon pasteur, yon docteur et aussi les anciens, moun sa yo, yon supposé travail selon la parole de Dieu. C'est pas dit sauvé, c'est pas dit sauvé pensé, mais c'est dit ça qui est écrit selon les Écritures. Ça, bon Dieu, ordonné pour dire. C'est yon seul parmi les dons, c'est yon seul nan yo qui a accès. Pour ajouter des choses qui ne sont pas écrites. Seulement le prophète. Parce que le prophète, là, lui-même, c'est le monde qui a un tête à tête avec bon Dieu. Son monde qui a une bouche bon Dieu dans l'oreille. C'est ça, bon Dieu qui a choisi de communiquer avec lui, avertir avec lui qui n'est pas dans la Bible. Par exemple, si un prophète est dans l'église, et puis l'église a un monde qui campe dans l'église pour diviser l'église là, pendant que l'a divisé l'église, on a un jeune garçon qui est dans l'église là, que Satan utilise pour marcher, coucher jeune fille en dedans, briser en dedans. Faut que c'est prophète ça qui est pour qu'on tête à tête à bon Dieu. Et puis pour le dire prophète là, regardez, dit l'église dans ça. Ou bien, mais ça pour dire. Elle dit, oh, mais ça peut arriver. Et ça fait, yon l'église besoin prophète. Yon l'église besoin prophète.
Je n'ai jamais vu dans la Bible que tes combats qui te doivent avertir, bon Dieu, tu viens parler en pasteur. Par contre, s'il existait, mais moi, je ne sais dans la Bible, côté que gombagay que bon Dieu te voulait averti et puis pour te venir parler avec ton évangéliste. Non. Il toujours parler avec un prophète. Celui qui est responsable d'avertir l'église ce qui va arriver, c'est le prophète, c'est celui qui a reçu le don prophétie. Parce qu'il a onction pour ça. Maintenant, il dit ce ministère aussi mentionné dans les Actes donne à celui qui le reçoit une capacité à expliquer les parties difficiles des Écritures et de les amener à la portée de tous. Yon docteur, qui ça yon docteur là pour le faire? Docteur là pour expliquer. Le premier bagage que le texte a dit là, il dit docteur a recevoir une capacité pour expliquer mon âme dans l'église là. Bagay qui difficile à comprendre. Bagay qui difficile à comprendre dans les textes. Bagay qui difficile à comprendre dans les textes. Docteur Allah pour recevoir capacité dans Jésus pour expliquer les choses, les parties difficiles des Écritures et de les amener à la portée de tous. Bagay qui difficile à comprendre, docteur Allah pour elle faire monde comprendre. C'est ça docteur a fait. Bien qu'il soit étroitement uni au ministère du pasteur, l'essentiel est fondé sur l'enseignement. Un docteur supposé comme ça avec un pasteur. Comme ça, il est supposé marier ensemble. Docteur a toujours dû ensemble avec pasteur. Pasteur a dû toujours ensemble avec docteur. Est-ce qu'on comprend ça maintenant? Maintenant, combien l'église qui gagne docteur la donne? Combien l'église qui gagne docteur la donne? Mais combien l'église qui pas gagne pasteur? Combien l'église qui gagne évangéliste la donne? Minime, peu. Et combien l'église qui pas gagne pasteur? Toute l'église gagne pasteur. C'est celle dont pasteur qui à la portée de tous, qui nous jeune dans l'église. Mais pourtant les autres dons n'ont pas jeune. Mais au même capitaine de l'église, priez bon Dieu sur ça et puis à chercher les autres dons. Maintenant écoutez, il dit que docteur, Li font seul avec pasteur, yo mar ensemble. OK, l'essentiel est fondé sur l'enseignement. Wall docteur a rendre l'église, li là pour faire enseignement. Li évangéliste t'es pas appelé à enseigner. Yon évangéliste pas appelé pour enseigner. Yon évangéliste pas appelé pour enseigner. Yon évangéliste là li gon seul message. Wè yon moun ki évangéliste li gon seul message. Qui c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Yon évangéliste là pour aller chercher nam qui perdu. Yon évangéliste là pour aller chercher nam qui perdu. Pourtant le docteur lui-même li là pour enseigner. Pendant que pasteur a enseignement tout, ou bien la enseignement la prêcher, docteur a bon côté si gon bagay qui caché. Qui mal à comprendre, qui est difficile pour comprendre, docteur a là pour faire comprendre, parce que lui-même il a onction pour ça. Pour qui ça? Docteur a obligé pour le pasteur, parce que pasteur est responsable pour gérer le monde. Pas oublier, je dis ça tout à l'heure, je vais faire résumé, c'est pas dans le pasteur, nous assoit non un docteur, mais lorsque je vais faire résumé, moi je dis ça, pasteur est responsable, il est là pour faire qui ça? Pour enseigner. Il là pour sa proximité, pour le sensible, pour le prouver sensibilité pour monde qui est dans l'église. Regardez, monde ça pas supposé faire, il pas supposé malade pour pasteur à pas au courant. Il pas supposé malade pour pasteur à pas au courant. Il pas supposé faire des jours pour la mal vu pour gon problème là. Il faut gon monde qui est un rapport et pasteur à ça. Faut monde pasteur à gen monde qui travaille avec pour ça. Parce que li responsable dans monde ça, mais docteur li proche pasteur, les pasteurs font enseignement. Si gon bagay qui difficile à comprendre, docteur pral dévoiler. Et ça dit là, il dit ce ministère aussi mentionné dans les Actes des apôtres
donne à celui qui le reçoit. C'est-à-dire, monde qui reçoit don ministériel, ça, il reçoit une capacité pour expliquer les parties difficiles des Écritures et de les amener à la portée de tous. Bagay que moun pa ka comprendre dans l'église là, c'est docteur qui peut faire moun comprendre. C'est pas évangéliste là. Parce que évangéliste là pour prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais ou regardez journée jodi a, les évangélistes là dans l'église, c'est wash là le voyer. Léon l'église à London l'église, l'évangéliste à London l'église, c'est Wash l'alvoye. Évangéliste, ou ta supposé plus jeune ça dans croisade. Ou ta supposé plus jeune ça dans réveil. Mais dans dimanche matin, pas bay évangéliste prêcher. Évangéliste pas doit prêcher dans dimanche matin. Parce que lui-même, il a un message pour nous. Pour ta bay un évangéliste prêcher dans dimanche matin, faut que tu aies au courant. Faut que tu aies un pressentiment que tu as un pile visiteur. Dans l'église là, faut ta grand pile monde nous ta gen pressentiment que quatre jeudi dimanche là ka gon 5 ka gon 10 monde qui viennent visiter l'église qui pour accepter Jésus. Oui, d'après invitation monde fait laisse ça pour ka tout sauver, pour ka tout prendre dans monde ça yo ou bail évangéliste la prêcher. C'est pas pasteur pour prêcher ça. Pasteur a pas supposé al il ka toujours accompagner monde dans ton évangélisation, même genre avec évangéliste là. Mais moun ki responsable de l'évangélisation, c'est l'évangéliste. Mais là nous on a docteur lui-même, il là pour montrer ça caché. Bagay qui difficile à comprendre, faut pasteur gen courage pour rele docteur. Mais faut le wè nan moun ça, li te recevoir appel, li gen onction pour ça. Ou ka pasteur et puis gon bagay qui paraît devant dans la Bible, ou pas ka comprendre. Pourtant, si moun ça, li gon problème, docteur a gen droit pas kawel, évangéliste a gen droit pas kawel, apôtre a gen droit pas kawel, mais pasteur il supposé wel parce que le konnam il konn moun yo passé tout moun gandan, c'est lui qui responsable nan moun yo. Ken, monsieur, que bon Dieu bénisse tout moun kap tande la, que bon Dieu ouvre les yeux sur l'évangile. Nous arrivons au moment côté que nous supposé faire l'évangile Jean doit fait, Jean Jésus ordonné pour le fait là. OK, c'est ça fait pas qu'on est pour qui ça, même croire bon Dieu gon bagage il fait gon réveil, il éclater dans l'église. Je souhaite que monde pour comprendre. Écoutez, il dit que OK, il dit il doit être pur. OK, l'importance de non, beaucoup là. Il dit OK, bien qu'il soit étroitement uni au ministère, pasteur, l'essentiel est fondé sur l'enseignement. Docteur là vous l'enseignez. Nous pouvons voir si après le bien que ce ministère peut faire à l'église à cause d'eux. Pour qui ça l'église a besoin docteur? Là nous arrivons dans raison qui fait l'église a besoin docteur. Première raison, c'est l'importance de l'enseignement. L'église a besoin docteur parce que enseignement li important. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, si je me trompe pas, dans les versets 40, 41, 42, il dit que il persévère dans l'enseignement des apôtres. Il persévère dans l'enseignement. C'est-à-dire première raison qui fait l'église en besoin docteur, c'est parce que l'église a supposé gain enseignement. Au même capteur de là qui pas remet tant d'enseignement, qui pas remet étude au besoin et forcé. Il dit deuxième raison, c'est pour l'édification. Pour l'édification. L'église a édifié. Pour nous, nous avons toujours béni les autant. Un docteur supposé gagner, parler avec grâce. Pour édifier les gens. Pour nous inviter. Mon son j'ai mon l'aime d'aller prêcher à Haïti, si me pas tromper me d'aller prêcher la flon bien la fleuronée dans l'église pasteur Joël d'aller prêcher. Là ça me était quoi 2017 ou bien 2018. M'a prêcher. Là ça me tout jeune fait qu'entrer dans le ministère de prédication. Pour m'a prêcher comme ça. M'a regardé comment l'église là
Les amis de kage environ 100 ou bien 150 moun en face moi. Regardez moi l'église qui chita kap tande, tout jeune. Tout jeune, bon Dieu fait